Bonjour ou bonsoir, très chers membres de la communauté AOC internationale selon votre position géographique. Ici votre humble leader, AR, membre de la communauté Alpha Omega Coin. Nous remercions tous les leaders qui ont partagé massivement notre deuxième tuto que nous avons fait concernant la plateforme de trading CoinStore, qui portait sur comment se connecter à son compte de trading sur CoinStore. Merci à vous. Partagez massivement les tutos afin de permettre à vos concurrenciers de mettre tout ce que nous faisons en pratique. Comme annoncé dans le dernier tuto, c'est notre deuxième tuto, aujourd'hui, avec ce troisième tuto, nous allons voir ensemble comment sécuriser votre compte de trading sur CoinStore. Rapidement, on va se diriger vers l'application. Et comme je vous ai dit, une fois que vous faites l'inscription sur la plateforme, pour continuer, il va vous demander tout simplement de télécharger l'application. Donc, vous êtes appelé à télécharger l'application pour continuer. Alors, une fois que vous êtes déjà sur votre application et que vous êtes déjà connecté, vous allez tout simplement cliquer sur l'icône qui se trouve dans l'extrême gauche, voilà, de votre écran. Ensuite, vous cliquez sur Sécurité Center. Alors, une fois que vous êtes là, vous voyez ici, vous avez la capacité de changer le mot de passe. Donc, vous pouvez changer le mot de passe, définir l'ancien et mettre le nouveau. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, une fois que vous faites cela, vous avez aussi la possibilité d'associer votre numéro, d'accord, à l'application CoinStore. Il suffit de choisir l'indicatif ici. Donc, ici, je vais prendre à titre d'exemple, je prends par exemple le Bénin. Voilà, et chaque pays prend son indicatif. Donc, vous choisissez en fonction de votre position géographique. Voilà, une fois que c'est fait, ici, vous mettez votre numéro. Vous mettez votre numéro pour prendre le code. D'accord? Une fois que c'est fait, comme ça sera associé automatiquement. Mais ce qui va plus nous intéresser ici, c'est cette partie, Google Authenticator, très important. Très important. Alors, peut-être dans la vidéo, ça ne s'affiche pas. En tout cas, au cours de ce tuto, peut-être l'application peut décider de cacher, d'accord, ce que je vais faire. Mais tout compte fait, suivez-moi très, très bien. Vous allez voir et que c'est vraiment facile. Alors, une fois que vous cliquez, je reviens encore en arrière, vous cliquez sur ça. Vous allez voir une clé et on vous dit de copier. Donc, vous copiez cette clé-là et vous sauvegardez quelque part, en lieu sûr. Dès que c'est bon maintenant, vous allez tout simplement cliquer sur Next. Maintenant, une fois que vous cliquez sur Next, qu'est-ce que vous allez faire? Avant de remplir les champs qui sont là, vous devez d'abord repartir dans l'application. Sinon, vous cherchez l'application Google Authenticator. Pour ceux qui n'en ont pas, allez sur Play Store pour télécharger. Voici l'application. Alors, vous téléchargez l'application. Et une fois que c'est bon, vous cliquez là-dessus pour associer la clé que CoinStore vous a donnée. Alors, une fois que vous copiez la clé, vous venez ici, vous cliquez sur le plus, voilà, et vous cliquez sur saisir la clé de configuration. Est-ce que vous voyez un peu? Mais une fois que vous êtes sur cette page, peut-être que ça ne s'affichera pas au cours de ce tuto, mais dans la première case, vous mettez le nom de l'échangeur pour ne pas vous perdre. Donc, moi, je mets ici CoinStore au niveau du nom. Au niveau de la clé, vous copiez tout simplement la clé que la plateforme CoinStore vous a donnée de l'autre côté là-bas que vous avez copié. Donc, vous collez et vous laissez ça sur basé sur le. Vous cliquez sur Ajouter et c'est fait. L'ajout vient de se faire. Alors, j'ai mal écrit CoinStore là. Et vous pouvez quand même modifier. Alors, je vais essayer d'arranger ça rapidement. Voilà. Donc, j'enregistre. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès l'instant que vous avez défini, bien associé la clé à votre application Google Authenticator, vous retournez dans l'application que voici.
Alors ici, nous sommes sur la page de sécurité de vérification. La page de vérification là. Qu'est-ce qu'il demande? Dans la première case, il demande de mettre le mot de passe. Votre mot de passe que vous utilisez pour vous connecter. Alors moi, je mets ceci à titre d'exemple. Et ici, je vais continuer rapidement. Ici, dans la deuxième case, vous voyez, ils ont mis quoi? Ils ont mis le mail. Et ils m'ont demandé de demander à ce que la plateforme ou bien l'application CoinStore envoie un code pour vérifier si c'est effectivement moi qui suis en train de configurer cette partie-là. Alors, vous allez cliquer tout simplement sur Send PIN Code. Alors, je clique sur Send PIN Code une fois que vous venez au niveau de la deuxième case. Et vous irez maintenant dans votre boîte Gmail pour prendre le code. Voilà. Je suis dans mon Gmail ici, à titre d'exemple. Je vais tout simplement actualiser, attendre, voir le message de CoinStore. Voilà, c'est venu. Voilà, je vais cliquer sur ça. Et vous allez tout simplement copier le code. C'est un code à 6 chiffres. Voilà, je vais copier comme ceci. Et j'irai de l'autre côté, rapidement mettre au niveau de la deuxième case. La case concernant l'email. La troisième case, maintenant, vous allez voir, ils ont mis quoi? GA Verification. C'est-à-dire qu'il s'agit de la partie de Google Authenticator. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous repartez maintenant dans l'application Google Authenticator. D'accord? Déjà que vous avez déjà, on a déjà associé, n'est-ce pas, la clé privée que CoinStore nous a donnée à l'application. Vous allez tout simplement cliquez, vous faites un plus long hein, et vous copiez d'accord le code que CoinStore a généré et là l'application Google a généré du moins et là vous collez, vous revenez dans l'application, vous collez ça au niveau de passe et vous cliquez sur confirme. Alors dès que vous cliquez sur confirme, vous voyez succès. Donc vous voyez ça, c'est déjà bon et l'email aussi, c'est bon aussi. Donc, ça sera tout pour ce tuto, mais vous pouvez définir votre empreinte digitale. Voilà, il est possible que si vous avez auparavant l'habitude de déverrouiller votre téléphone avec votre empreinte, là, juste en bas ici, en bas de tout, type login verification, vous allez voir, en bas, ils vont mettre une possibilité. Il y a une troisième option ici, jusqu'en bas ici, après tout type, la possibilité de mettre l'empreinte. C'est parce que ici, le portable n'a pas d'empreinte, mais ici vous allez voir la possibilité de définir l'empreinte. Et vous pouvez le faire aussi. L'autre chose, il y a cette possibilité aussi, un pattern passcode. Ici, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir, il va vous demander le mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe. Voilà, je mets ceci pour vous montrer comment ça va se passer. C'est très bien. Leur partir, voilà, je vais mettre associé ça. Leur partie de sécurité est vraiment puissant. Voilà, je vais à titre d'exemple vous montrer comment ça va se passer. Voilà, je vais bien regarder et bien définir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est comme un schéma. Vous mettez votre schéma. Alors, je peux mettre quelque chose comme ça et je reconfirme. Voilà. Donc, à chaque fois que vous voulez vous connecter, il va demander à ce que vous mettez ce passcode-là. Essayons rapidement, vous allez voir. Si je quitte l'application, par exemple, voilà, et vous voulez rentrer dedans, il va vous demander ce passcode-là. Est-ce que vous voyez un peu? Soit l'empreinte, soit vous voyez, soit l'empreinte, si c'est l'empreinte que vous avez définie, soit le passcode. Donc, je mets le schéma et là, j'accepte directement au lieu de mettre à chaque fois le mot de passe. Alors, ça sera tout pour ce tuto. Merci de m'avoir suivi. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter et partager massivement ce tuto pour permettre à vos co-abondanciers de pouvoir quand même sécuriser leur compte de trading sur CoinStore. La prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment vérifier son compte de trading. Une partie très très importante. Alors, rendez-vous dans le prochain tuto.